aujourd'hui, petite présentation de la Hôtel 906 BT. Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc, il me dit qu'il y a 5 mises à jour qui sont à prévoir. Comme vous pouvez voir, le menu, il est en français. Et c'est bien une machine française. Vous voyez, la langue, elle est bien sur français. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut débloquer aussi les autres langues si nécessaire, hein. Il n'y a aucun problème à ça. Bien sûr, vous pouvez imprimer directement depuis la tablette. Et puis surtout, mise à jour. Alors, c'est, je crois, ici. Mise à jour du véhicule. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de faire la mise à jour du calculateur de la voiture. Voilà, tout simplement. Et là, c'est pour trier en ordre alphabétique. Ça, on va revenir en arrière. Donc, ici, comment ça se présente? Tout simplement que, bah déjà au niveau diagnostic, vous voyez où il y a des flèches, ça veut dire que ce sont les marques qui ont des mises à jour. Donc, c'est pas forcément essentiel. Ce n'est pas obligatoire, à savoir que la Hôtel est l'une des marques qui, après avoir fini les mises à jour, continue de fonctionner. Sauf que vous n'aurez pas justement les mises à jour, donc ça veut dire les nouveaux moteurs, des correctifs aussi, voilà, qui ne seront pas appliqués. Donc, comme vous pouvez voir, pratiquement toutes les marques sont représentées. Et ici, vous avez donc États-Unis, européennes, l'Asie et la Chine. Voilà, donc vous avez toutes les marques. Alors, bien sûr, au niveau des marques, ça va être très très simple. Comme vous pouvez voir ici, au niveau des mises à jour, il propose BMW avec une version 16 et la date 4 août 21, avec un fichier de 1,5 Go, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il fait quand même pas mal et supporte tous les modèles, donc jusqu'à avril 2021. Il y a des fonctions sur l'échappement en plus, et il y a l'addition des versions vietnamiennes. Voilà. Sur la Hyundai, nous sommes sur la valise officielle version 10 avec la mise à jour du 9 août 2021, avec un fichier qui fait seulement 330 MO. Donc lui, c'est pour optimiser surtout le menu de fonctionnement du service Hyundai. Pour Abarth, Alfa Romeo, Lancia, enfin pour tout le groupe, nous sommes sur une valise officielle 832, mise à jour du 8. Voilà. Enfin bref, vous avez ici à chaque fois toutes les informations, hein, et vous avez donc ce qu'il fait. Donc là, c'est optimisation des menus à chaque fois. Il y a juste pour BMW où là c'est un peu plus gros, parce qu'il y a donc des mises à jour sur les modèles jusqu'à avril 2021. Donc ici, vous voyez, on fait tout mettre à jour et ça va se mettre à jour automatiquement. Voilà. Donc, il va se mettre à jour sans aucun problème. Pendant ce temps-là, vous pouvez utiliser donc la valise et faire un diagnostic du moment que il n'y a pas la flèche verte. S'il n'y a pas la flèche verte, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. À savoir qu'ici, nous sommes sur une valise ici avec le VCI. Donc le VCI, c'est le système qu'on branche sur la prise diagnostique du véhicule, qui est en Bluetooth. Voilà, donc la MS 906 BT qui est ici présente, c'est l'une des machines les plus complètes pour un garage généraliste que je conseille à tout le monde. Voilà, vous avez bien sûr pas mal d'informations. Donc ici, vous avez l'USB, l'HDMI pour brancher même sur un téléviseur. Le chargeur, il est fourni avec un chargeur domicile, mais aussi allume-cigare. Donc vous pouvez continuer un diagnostic même si votre batterie elle est faible. Vous avez une prise casque, parce que dans ce modèle, vous avez la possibilité
d'écouter éventuellement des fichiers sonores. Mais en plus de ça, à l'arrière, vous avez donc la caméra avec une lumière. Voilà, donc ça c'est à savoir sur ce modèle. Bien sûr, c'est un modèle d'origine originale Autel, donc avec la garantie constructeur et bien sûr un an de mise à jour incluse. Donc, ce genre de produit-là, bien sûr, il existe en version chinoise, mais le problème c'est que la version chinoise, ici, il sera bloqué en langue anglaise. Il sera. Tiens, il veut pas. Ah oui, impossible parce que je suis en train de faire les mises à jour. Voilà, mais sinon, il sera entièrement bloqué en anglais et il ne pourra pas du tout passer en mode français. Donc ça, c'est à savoir. Donc si vous tombez sur un modèle qui vous est proposé uniquement en anglais, sachez que c'est un produit qui vient de Chine et il est fort possible qu'il soit qu'une copie et non une version originale. Voilà, donc ce matériel-là est vendu dans une mallette avec toutes les prises des véhicules donc depuis 1996, donc les fameuses prises rondes de chez BMW et Mercedes notamment, mais aussi les prises spéciales de chez Mitsubishi, Toyota, etc. Voilà, donc en plus de l'ODB normal. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fait des explications. Vous avez différentes vidéos qui sont disponibles sur notre page Facebook et YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Sur ce, bonne journée, à bientôt.